thank mm -hmm. you Bon, d'abord, euh, la spéculation a plusieurs instruments. Et euh, sans entrer dans les détails techniques, j'aimerais illustrer ce qui s'est passé dans la crise asiatique en 1997, euh, qui, euh, qui a mené en fait à l'effondrement des devises de plusieurs pays et des pays qu'on croyait qu'on catégorisait comme étant les tigres asiatiques, comme, comme ayant une, une économie performante, etc. Il y a eu différents facteurs dans cette crise, mais je pense qu'un des éléments euh, euh, fondamentaux était la déréglementation préalable du marché des changes. Dans certains cas, euh, cette déréglementation a été, euh, elle a été imposée, ou, euh, voire même elle, elle a été euh, recommandée par le Fonds monétaire international. Maintenant, les spéculateurs, en fait, se sont emparés des réserves des banques centrales par un mécanisme qui, qui est le suivant. Ils ont spéculé contre les devises nationales par ce qu'on appelle le short selling. Alors, mettons, je veux, je veux faire le short selling du won coréen. Alors, je commence à vendre des quantités énormes de won coréen qui sont livrables à une date future. C'est des contrats de trois ou de six mois. C'est-à-dire que, à l'échéance du contrat, je vais devoir livrer des quantités énormes de, de, de won coréen ou de baht thaïlandais. Mais je ne les possède pas. Alors, je peux, je peux en vendre autant que je veux, OK je veux vendre par milliards et milliards de dollars des, des, des won euh, coréens. Euh, qui est-ce qui rachète les won coréens Eh bien, la Banque centrale de Corée, qui est tenue, selon les, les, euh, les, euh, les accords avec le Fonds monétaire international, de soutenir sa monnaie. Mais techniquement, ce qui s'est passé, c'est que lorsque euh, la monnaie. Coréenne a chuté quelques mois plus tard, les contrats de short selling viennent à échéance, et c'est à ce moment-là qu'il y a euh, une appropriation des réserves de cette banque centrale, parce que la monnaie nationale ne vaut plus rien et les spé spéculateurs n'ont qu'à racheter les won coréens sur le marché spot. Et ensuite, ils il, il, euh, il remboursent, ils il remplissent les, les termes de leur contrat. Alors, le, la Banque centrale est en train de racheter sa propre monnaie, ce qui n'est pas très rentable. Et en échange, ses réserves sont confisquées et vont euh, dans les poches des, euh, des grandes banques occidentales. C'est ça le mécanisme. Maintenant, euh, les réserves sont mises à sac. Et ceci veut dire que la Corée maintenant doit aller auprès du Fonds monétaire international et leur demander euh, nous, nos réserves sont à sac, on ne peut pas fonctionner sans réserve. on doit rembourser en fait cet argent n'est même pas encore euh, acheminé vers les créanciers, on doit rembourser les créanciers qui sont des spéculateurs. Alors que se passe-t-il Lorsque le Fonds monétaire international euh, octroie un prêt de l'ordre de 56 milliards de dollars, Et il y a la participation d'un certain nombre de pays dont le... Euh, en fait, il y avait 24 pays euh, parce que les, 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 ça, ça requiert des, des sommes absolument énormes. Alors, c'est le Trésor américain, c'est le Trésor canadien, euh, c'est les principaux gouvernements occidentaux. Mais alors, pour que le Trésor américain ou le Trésor canadien ou, ou d'un autre pays occidental émette... Euh, un, un prêt de, de l'ordre de 56 milliards, il faudra qu'ils augmentent leur niveau de dette. Et ça veut dire qu'il faut qu'ils commencent à vendre, euh, vendre euh, et, et qu'ils commencent à transiger leur dette sur les, sur les places boursières. Donc c'est le marché de la dette. Et qui contrôle euh, le marché de la dette, euh, de la dette souveraine des pays occidentaux Ces mêmes banques qui sont les spéculateurs. Alors vous avez, un, vous avez une espèce de circuit ici. Euh, on, on, on attaque la, la Corée, on vient à sa rescousse, on confisque ses réserves, euh, on lui prête de l'argent euh, à, à même les fonds publics des, des différents gouvernements occidentaux. Et, euh, et pour euh, augmenter l'endettement des, des pays occidentaux, il faut l'aval de ces banques, euh, du, des secteurs bancaires privés, euh, qui, euh, qui sont les underwriters de la dette. Des pays, de, de, des pays. Donc, euh, en fin de compte, tout le monde s'endette, sauf bien sûr les spéculateurs, qui sont les créanciers de la Corée, mais également les créanciers des gouvernements occidentaux qui viennent à la rescousse euh, de la Corée par l'entremise du, du programme du FMI. Et alors, qu'est-ce qui se passe euh, L'économie euh, euh, coréenne est. est est voué à la banqueroute. Ses actifs euh, bancaires et son industrie de haute technologie sont vendus à rabais. Et euh, en fait, euh, ce qui est en train de se, se réaliser, c'est le transfert de toute la richesse industrielle de ce pays vers des investisseurs euh, étrangers américains, à tel point qu'en fin de compte, euh, les, ces actifs sont pratiquement pris en charge pour... pour pour des sommes absolument dérisoires. Euh, je vous donnerai un exemple euh, d'une des principales banques coréennes qui a été euh, restructurée sur les recommandations du Fonds monétaire international suite à cette opération, parce qu'il y avait des conditions rattachées à ça. Eh bien, cette banque a été vendue pour 450 millions de dollars, c'est Korea First Bank. Elle a été vendue à des investisseurs de Californie, de Texas pour 450 millions de dollars. Mais une des conditions euh, de cette vente, c'est que le euh, gouvernement coréen euh, finance euh, les mauvaises dettes de cette banque par des octrois, euh, par des subventions qui sont 35 fois le prix d'achat, c'est-à-dire de l'ordre de plus de 15 milliards de dollars. Alors ces investisseurs américains arrivent en Corée et du jour au lendemain, ils, ils obtiennent contrôle sur tout l'appareil financier local, les banques commerciales, et en même temps, ils détiennent les dettes. Des grandes sociétés coréennes comme Hyundai ou Daewoo, etc. Et ils sont en mesure de dicter la fracture de ces, de ces grandes sociétés. On sait que Daewoo maintenant a été vendu à General Motors ou une partie. On sait que d'autres sociétés coréennes vont être vendues. Et alors, par, par un mécanisme qui, au point de départ, était basé sur, sur la manipulation des marchés euh, financiers, euh, on, on prend possession d'une économie dans son ensemble. Washington, où siège le, la Banque mondiale et le FMI, va se mettre à dicter au reste du monde, surtout aux pays faibles, évidemment, aux pays les, les, les plus pauvres, aux pays en quasi-banqueroute, comment appliquer la bonne science économique. Ça va s'appeler les mesures d'ajustement structurel ou le plan d'ajustement structurel dicté notamment par le FMI avec les prêts de la Banque mondiale à côté aux euh, différents pays euh, qui vont être concernés. Alors, il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de pays précipités dans le chaos à cause, justement, des mesures du FMI et de la Banque mondiale. Alors, il y en a beaucoup de ces mesures, ce serait trop long de détailler entre mesures d'ajustement des fondamentaux, mesures d'ajustement euh, des cycles de court terme, etc. Bon, passons. Mais en gros, euh, disons qu'on euh, peut résumer ces mesures à peut-être trois ou quatre les plus importantes. Première des mesures qu'on imposait à ces pays qui étaient en, en voie de, de cessation de paiement, donc de misère absolue, c'était euh, le non-déficit gouvernemental ou la réduction du déficit du gouvernement, c'est-à-dire la, la réduction des dépenses de l'État. Donc réduire l'État, réduire les dépenses de l'État. Alors, privatisation, qui va acheter des, 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 des opérateurs locaux, il n'y en a pas. S'il y avait de l'argent local suffisant pour acheter euh, des compagnies entières de pétrole ou euh, de phosphate, de, 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 de fer, de bon, euh, le pays ne serait pas dans la misère dans laquelle il est. Donc, on en arrive à, à aggraver l'extraversion de ces économies des pays du tiers-monde ou des pays les plus démunis en faisant en sorte qu'ils bradent les derniers intérêts économiques qui étaient nationaux a des intérêts étrangers. Donc, ce sont des multinationales qui se mettent à acheter, en plus de délocaliser, puisque dans ces pays-là, évidemment, là, ça va être la vérité des salaires qui va nous expliquer ça et la vérité des prix. Dans ces, dans ces pays-là, il revient de moins en moins cher aux multinationales de produire que de continuer à produire dans leur pays d'origine. Mais en plus, ces multinationales vont pouvoir se procurer à vil prix des installations, des capacités de production, par exemple, de, de production et de traitement de sucre ou de production et de prétraitement de pétrole ou de gaz ou de liquéfaction de gaz ou d'acheminement de, de minerais, etc., à vil prix, qui ont coûté des années et des années à l'économie nationale de ces pays-là. dévaluation de la monnaie locale, ça veut dire que tout d'un coup, pour des pays déjà pauvres, tout ce qui est importé devient tout d'un coup proportionnellement plus cher que euh, le niveau de dévaluation de la monnaie. Par exemple, quand le franc CFA a été dévalué tout d'un coup de moitié, début des années 90, si j'ai bonne mémoire, eh bien, tout d'un coup, pour à peu près quoi, le tiers de l'Afrique ou plus, qui, qui, qui avait le franc CFA comme monnaie, se retrouve avec une monnaie qui a un pouvoir d'achat qui dégringole de moitié du jour au lendemain. Donc, votre salaire qui vous permettait jusque-là de vivre... Avec un certain niveau de vie, ne vous permet plus que la moitié de ce niveau de vie-là. Alors ça, c'est une inflation de, immédiate de, de 100 Alors combiné à ça, le fait que les produits semi-manufacturés, les produits manufacturés, euh, les produits raffinés, tout ce que vous voulez, que l'Afrique, si je ne prends qu'un exemple de l'Afrique, importe de l'étranger, donc l'Afrique de la région CFA, tout d'un coup avec la dévaluation de moitié du franc CFA, tous ces produits-là sont deux fois plus chers. Vous combinez ça avec les effets de la dévaluation localement de la monnaie, et vous avez des produits et services qui vous coûtent tout d'un coup 4, 5, 6 fois plus cher, mais, mais vraiment du jour au lendemain. Alors vous ajoutez le temps et, et vous voyez tout ce que l'a fait, parce que les produits locaux qui sont faits à partir de semi-produits ou de produits semi-finis importés, ou qui ont besoin de liants, de collants, de solvants, de peintures, de je ne sais quoi importés, évidemment, sur l'onde un peu plus longue, un mois, deux mois, trois mois, six mois plus tard, deviennent deux, trois, quatre fois plus chers qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc si on mesure les effets sur les... d'obliger comme ça les... les pays, donc les plus pauvres, où le FMI, la Banque mondiale interviennent, à accentuer la production des produits exportables, un, on, on... on les met en concurrence entre eux. Sur les mêmes, mêmes produits. Par exemple, les pays producteurs de café se mettent tout d'un coup à produire tous de plus en plus de café. Le cacao, euh, le pétrole, c'est le même cas. Euh, bon, la bauxite, euh, bon, euh, je ne sais pas, mais peu importe, tous les, le sucre, euh, le blé, le, tous les pays, donc tous les produits pardon, de base, euh, voient leur euh, prix évidemment chuter parce qu'on assiste à une subproduction. Alors, non seulement le, leur prix chute, les pays sont mis en concurrence entre eux, mais en plus, tout cela se combine à l'effet d'inflation dont je viens de parler par la dévaluation de la monnaie et l'augmentation automatique de, de, de tout ce qui est importé par l'économie nationale. Donc, on assiste à, ce, à cette espèce d'inversion de, de l'intérêt de ces pays, alors qu'on prétend vouloir leur intérêt, déjà par ce premier phénomène. C'est-à-dire que, que tout, tout ce qu'ils importent leur coûte de plus en plus, plus, en plus cher et tout ce qu'ils exportent, le rapport de moins en moins. Alors, ils rentrent donc dans une spirale de surendettement qui fait qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, en 2002, le, le service de la dette de la plupart des pays les plus pauvres, je parle de pays comme le Bangladesh, comme le Rwanda, comme, je ne sais pas, le Burundi, comme le Togo, comme le, des pays comme ça, qui, qui sont déjà au 250e sous zéro, juste le service de la dette, Peut représenter jusqu'à 600 fois le recette d'exportation. La vérité des prix, ça devient ceci plus de subventions pour les produits de première nécessité ou de dignité du citoyen. Donc on ne subventionne plus les logements, on ne subventionne plus la santé, euh, l'huile, le, le riz, euh, je sais pas, euh, etc. Bon, le transport, euh, on subventionne plus rien et on décrète la vérité des prix. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en termes de dollars, tous les prix deviennent équivalents à chef de la planète. Autrement dit, si vous voyagez en dollars, comme moi, donc, puisque je suis citoyen canadien, ben je voyage en dollars, avec des dollars, partout dans le monde, les mêmes produits et services vous reviennent à peu près au même prix. Alors que vous alliez au Cotonou, au Bénin, dans l'un des pays les plus pauvres du monde, ou que vous alliez à Chicago, à New York ou à Paris, votre chambre de Holiday Inn ou votre chambre de Sheraton, votre repas au Lidéine vous le payez à peu près le même prix en dollars dans le monde bien, mais à Cotonou, capitale du Bénin, l'un des pays les plus pauvres du monde, une nuit de Sheraton où je vais dormir quand je vais à Cotonou, c'est six mois de salaire d'un employé de la fonction publique du Bénin, un repas dans cet hôtel, dans le restaurant de cet hôtel de Cotonou. C'est une semaine de travail d'un petit fonctionnaire du Bénin. Après, la vérité des prix, la vérité des salaires, en fait, ça consiste, en, en, en une formule lapidaire comme ça, à faire glisser tous les salaires vers les salaires les plus bas par secteur. Euh, et ce avec le mouvement soi-disant de libéralisation ou de libération de l'échange. Alors je m'explique. Quand on décrète par exemple l'ALENA, zone de libre-échange, euh, Mexique, États-Unis, Canada, les salaires vont tout naturellement glisser du niveau américain vers le niveau mexicain. C'est ça qui va se passer, puisqu'on met en concurrence les travailleurs mexicains avec les travailleurs canadiens et les travailleurs américains. Alors, en délocalisant au Mexique, on prétend que l'ALENA a créé de l'emploi au Mexique, associé, etc. Bon, en termes nets, euh, à peu près, quoi, six ans, sept ans après l'ALENA, la, eh bien, en termes nets, les salaires dans toute la région de, du Léon ou de, du nord du Mexique où se sont installées les multinationales américaines, qui ont fermé proportionnellement aux États-Unis, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu des suppressions de d'emplois payés à des niveaux très élevés par rapport au Mexique pour créer, entre guillemets, des emplois au Mexique, mais payés infiniment moins. Alors, depuis les dernières cinq années, le niveau moyen des salaires dans cette région -là, la plus active, soit disant la plus riche du Mexique, où les, les multinationales américaines ont délocalisé, le salaire a baissé en termes nets de valeur d'achat de 23%. Ça veut dire qu'il y a 5 ans, un ouvrier chez General Motors installé dans le nord du Mexique pouvait entretenir, survivre avec une famille d'un enfant, peut-être deux enfants. Aujourd'hui, le même ouvrier ne peut plus subvenir qu'aux besoins de sa propre personne, donc survivre tout seul. Et vous savez que quand, à la veille de, du sommet qui va se tenir dans le nord du Mexique, là, eh bien, on est en train de construire à Monterrey un mur pour cacher les bidonvilles. Il y a un mur de 3 mètres de haut qu'on est en train de construire sur des kilomètres pour que ceux qui viennent assister au sommet ne voient pas la pauvreté qu'elle a. Donc, alors la vérité des salaires, c'est ça. C'est faire glisser les salaires depuis les plus élevés vers les plus bas, par secteur. Et comme maintenant les secteurs les plus modernes, comme l'informatique... Euh, électroniques etc., euh, sont de plus en plus euh, utilisables ou exploitables dans le tiers-monde, vous avez des compagnies aériennes complètes, par exemple, Swissair le faisait, je crois, euh, d'autres compagnies aussi, euh, de sidérurgie, tout ce que vous voudrez, qui font toutes leurs exploitations comptables, financières, informatiques, par exemple, à Bombay, en Inde. Et à Bombay, un expert comptable qui vous fait le même travail qu'un expert comptable en Suisse ou au Canada vous coûte 100 fois moins cher un informaticien qui vous fait les mêmes programmes d'exploitation de vos avions vous coûte 200 fois moins cher. Donc, et ainsi de suite. Alors, c'est ça qu'on appelle la vérité des salaires. Mais moi, ce qui m'ennuie dans tout ça, c'est que toutes ces mesures, quand on les combine, rappelons-nous, hein, depuis la dévaluation, les exportations, le paiement des services de la dette, les privatisations, le rétrécissement du budget de l'État, qui est obligé de licencier, donc de fabriquer plus de chômeurs, etc. Toutes ces mesures combinées avec vérité des prix et vérité des salaires, eh bien, on en arrive à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire que les pays riches sont infiniment plus riches et les pays pauvres sont infiniment plus pauvres. Et moi, je vois avec effarement la Banque mondiale et le Fonds monétaire international essayer de faire encore en Argentine ce qui a précisément massacré l'économie de l'Argentine. Alors, c'est comme si on ne tirait aucune leçon de l'histoire. Alors, pourquoi ne tire-t-on aucune leçon Ce n'est pas pour rien. C'est parce que... On a intérêt à ce que cette idéologie qui explique le monde continue à survivre tant et aussi longtemps que la planète, dans son ensemble, est exploitable dans ce sens-là. Au Fonds monétaire international, le droit de vote s'exerce au sein du conseil, euh, du, du conseil de direction. Euh, maintenant, euh, c'est un droit de vote qui est basé sur, euh, sur la participation financière. Ou la contribution financière de chacun des États. Euh, en fait, c'est les actionnaires du Fonds monétaire international. Et la même chose pour la Banque mondiale. C'est pas, c'est pas comme aux Nations unies. Alors, les principaux actionnaires de, du Fonds monétaire international, c'est bien sûr les États-Unis, l'Allemagne, le, le, le Japon, la Grande-Bretagne, la France, etc. Mais en fin de compte, ça, c'est un aspect. Parce que en dessous du, de cette représentation politique au sein d'une organisation intergouvernementale, il y a d'autres enjeux. C'est les, le, les couloirs, euh, euh, c'est le trafic d'influence qui se fait entre Wall Street d'une part et Washington d'autre part. C'est les liens entre le Fonds monétaire et les think tanks, le Heritage Foundation, le Brookings Institute, le Trésor américain est impliqué également, la US Federal Reserve, euh, etc. Euh, tout ça, ça forme ce qu'on a appelé le consensus de Washington. C'est un peu, c'est un jeu de pouvoir. Après la guerre, il y avait naturellement la création du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Et dans l'esprit de John Maynard Keynes, qui était l'architecte de ces deux institutions, il fallait un troisième euh, larron, une troisième organisation, qui aurait été l'Organisation internationale du commerce. Ça n'a pas marché. Les Américains n'en ont pas voulu. Donc, comme Position de repli a été créée le GATT, le General Agreement on Tariffs and Trade, qui a été créé donc en 1947 et qui devait s'occuper de faire baisser les droits de douane sur des produits industriels. Et le GATT a à peu près bien marché parce qu'au cours des 50 ans de son existence, il y a eu tout de même des réductions importantes dans ces droits qui sont passés de l'ordre de 40 à 50% en moyenne à 4 ou 5%. Mais ça ne couvrait que les biens industriels, n'est-ce pas, que les produits. Et donc, euh, il a été ressenti le besoin, surtout par des compagnies transnationales financières, de créer un une organisation qui couvrirait beaucoup d'autres domaines que euh, simplement les produits industriels. Et c'est pour cela qu'a été, au bout de l'Uruguay Round, le dernier cycle des négociations GATT, et tiré la décision de créer l'Organisation mondiale du commerce qui devient une réalité. Le 1er janvier 1995 et qui couvre une multitude d'accords. Non seulement le GATT qui est toujours, mais l'accord sur l'agriculture, euh, l'accord sur la propriété intellectuelle des TRIPS, l'accord général sur le commerce des services qui est une immense chose qui couvre onze grands domaines et 160 sous-domaines si bien que toutes les activités humaines s'y trouvent couverts par les règles du, du GATT jusqu'à l'éducation, la santé, la culture et l'environnement. Et puis, il y a d'autres accords techniques qui semblent techniques, en tout cas, mais qui sont en fait extrêmement politiques, qui sont l'accord sur les barrières techniques au commerce, sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, qui sont des accords sur les normes que les différents membres, c'est-à-dire les États, peuvent mettre en place et, et, et qui déclarent qu'un certain nombre des normes sont en fait des barrières techniques au commerce. Et puis peut-être moins connu, mais le plus important de tout, c'est l'accord sur le règlement des différends, qui est l'arme juridique très puissante de l'Organisation mondiale du commerce, qui lui permet de trancher des disputes entre membres et de faire jurisprudence. Alors, qui juge On ne sait pas très bien parce qu'il y a des experts qui sont choisis sur des listes euh, qui, et les pays peuvent recommander quelqu'un pour être sur ces listes. Ce sont des gens privés en général, des avocats du commerce ou parfois d'anciennes officielles de commerce mais on ne connaît pas leur nom. Ils se réunissent en secret, généralement à trois. Ils décident assez vite. Il y a aussi un, une possibilité d'appel, mais l'appel, c'est dans les mêmes conditions. C'est un nouveau panel et ça décide en secret. Ce qui est important de comprendre avec l'ORD, avec cet organe de règlement des différents, c'est qu'il est à la fois... Euh, le législateur le juriste et l'exécutif parce que il décide et il établit une jurisprudence il se met au-dessus de toutes les lois qui ont été passées par euh, les législatures individuelles des pays mais aussi au-dessus du droit international qu'on a établi péniblement depuis 50 ans, les droits de l'homme, les conventions multilatérales, euh, multilatérales sur l'environnement, les conventions de base de travail du Bureau international du travail. Tout ça, on l'oublie, et puis on fait des décisions à l'OMC qui disent, bon, le commerce, ça prime tout, et... On ne veut pas entendre parler de vos conventions euh, sur l'environnement. Et, et puis, il est exécutif parce qu'il a le pouvoir d'imposer des sanctions. Et quand un pays n'est pas d'accord avec son jugement, on lui dit très bien, euh, vous ne mettez pas votre législation en conformité avec ce que nous avons décidé, mais vous payez. Et vous payez chaque année. Et vous payez à travers des droits de douane que votre adversaire, dans ce processus de règlement des, des différends, va décider. Donc, quand les États-Unis décident d'imposer des droits euh, sur l'Europe pour la France sur le foie gras, la moutarde euh, et le Roquefort, il est parfaitement dans son, dans son droit. Et ça coûte cher et peu de pays peuvent euh, soutenir cette ponction chaque année. À l'OMC, il y a différentes négociations qui se passent en même temps. Un pays qui n'a déjà pas d'ambassadeur à Genève ou qui partage un ambassadeur avec plusieurs autres pays, ce qui est le cas pour les, pour les Africains et pour beaucoup de petits micro-États, euh, ils, euh, enfin, ils sont dans l'impossibilité. Euh, de, de suivre les négociations. Alors, le Sud euh, ne sait pas ce qui se passe dans tous les domaines. Et ils le disent ouvertement. Il y a un ambassadeur du Sud qui a dit, l'OMC, c'est comme un cinéma multiplexe. Il faut choisir le film qu'on a envie de voir parce qu'on ne peut pas les voir tous. Bon. Donc, ils choisissent ce qui leur paraît important pour leur pays et puis le reste. Donc, qui prend les décisions en réalité On dit que c'est le consensus. Il n'y a jamais eu de vote à l'OMC. Et l'ambassadeur des États-Unis a dit que le vote serait un très mauvais précédent. Donc, on voit ce qu'il en est pour la démocratie. Mais, en réalité, c'est le quad. Le quad, c'est les quatre pays, Canada, États-Unis, Europe, Union européenne et Japon qui se voient tout le temps, qui ont un personnel nombreux auprès de l'OMC et qui euh, arrivent, eux, à leur consensus et puis qui retournent devant l'Assemblée plénière et qui disent, bon, vous êtes d'accord, n'est-ce pas Et euh, il est très difficile pour les pays du Sud euh, de dire non. Il faut beaucoup de courage et il faut être très sûr de son fait parce que les moyens de pression euh, sur eux existent. Et il ne faut pas se leurrer. Euh, si vous êtes quelqu'un de dépendant du FMI ou si vous avez des problèmes avec les États-Unis, vous savez qu'il ne faut, faut pas trop sortir du rang.